Et moi, c'est bon, ça filme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, première vidéo de cette semaine où je vais vous faire une vidéo par jour. Cette semaine du coup. Donc, je vous ai pas trop filmé cette journée en fait parce que ce matin, j'étais chez la psy. Et après, cet après-midi, donc j'étais avec une amie en ville, enfin bref, toute l'après-midi. Donc, c'était un peu privé toute cette journée. Mais du coup, là, je vais aller monter les nez, je vous prends avec moi. Et donc, c'est parti, je fais pas attention à cette tête. Voilà. Je suis maquillée, pas maquillée, enfin, mais c'est tombé. Et plaquage, catastrophe. C'est pas grave. Du coup, là, j'ai mon chargeur. Là, je vais prendre une carotte et c'est parti. Du coup là je vais dans la carrière, je vais installer mon exercice et voilà. Donc j'ai fini mon truc, moi je vais vous poser là-bas. Et donc l'exercice ça va être, là je viens au trot, galop entre les plots, barre au sol. Ensuite la galop, je repasse au trot, tac tac trot, je repars au galop vers là, galop 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 et les deux barres vertes. Du coup maintenant je vous prends en voix off pour vous expliquer un petit peu la séance et tout et tout. Bon, du coup là, j'ai préparé toutes mes affaires pour mon chariot et j'ai été préparer des nez, mais quand je la prépare, j'ai pas de vidéo. Donc, je commence par me mettre à cheval. Hein, voilà, tout à fait normal. Voilà, voilà. Du coup, pour commencer, je l'ai marché tranquillement, sans la tenir déjà, enfin, juste qu'elle vive sa vie. Et ensuite, je l'ai marché en la mettant bien sur la main et tout, mais je crois que j'ai pas de vidéo. Ouais. Ensuite, donc, je l'ai trotté aux deux mains. D'abord pareil, en la laissant trotter tranquillement et au bout de quelques minutes, je la reprenais. Ensuite donc j'ai commencé à passer quelques barres au sol par-ci par-là. Continuer de trotter. Là vous voyez je m'agite beaucoup. C'était entre guillemets fait exprès. Là on commence l'exercice donc je viens tranquillement et galop sur la barre. Donc là tranquillement on passe les barres au trot. C'était vraiment une super séance. Vous verrez, je vous expliquerai tout plus tard dans la vidéo. Voilà, elle fait vraiment très bien ce que je lui demande, j'étais super fière d'elle. Du coup, ensuite, tranquillement, je continue pour me lancer sur les autres barres. Et donc là, voilà, ça passe bien. Ensuite, je refais ces barres-là. Et ensuite, je refais donc cette transition montante et la barre. Ça passe vraiment nickel. Et j'en fais une dernière fois et c'est parfait, vraiment rien à dire, les nez étaient super. Donc voilà, tranquille. J'étais vraiment super contente de cette séance. Enfin, vous verrez. Donc gros gros câlin à la Miss. Voilà, vraiment elle est toute mignonne. Donc voilà, c'était vraiment une super séance. Vous verrez, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Et du coup, ensuite, je l'ai laissé brouter un petit peu. Je lui ai juste défait le noseband et je l'ai laissé brouter. Et donc voilà. Ensuite, donc je lui ai graissé les pieds avec ma graisse noire. J'en ai un peu foutu partout, mais vous inquiétez pas. Donc voilà. Et comme une cruche, j'avais oublié de l'allumer au début. Du coup, vous avez que 2 pieds sur 4, mais c'est pas grave. Voilà. Elle était trop trop belle. Et ensuite, je lui ai donné un petit morceau de carotte et à nouveau plein plein de câlins. Voilà, je vous ai piqué un petit morceau des câlins parce que c'est trop long. Du coup, j'ai fini de monter des nez. Elle était mais incroyable, genre vraiment. Faut que je nettoie mon pinceau vu que j'ai mis de la graisse noire dessus. Que je ferme les portes et que je range tout ce bazar. Et que je balaye ce qu'il y a là. Du coup voilà, du coup là j'étais à la douche, en ce temps mon père il a fait chauffer ma pizza et là je viens chercher de l'ice tea dans le garage. Voilà, voilà, let's go, j'ai mon ice tea. Voilà, du coup voilà, voilà où je viens d'arriver dans ma chambre. Je vais me mettre dans ma cabane entre guillemets. En gros regardez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Tadam, voilà c'est le bordel, regardez pas. Bon, attendez, j'allume ma lampe. Genre là, j'ai installé une petite lampe, mais vous voyez rien. Tadam! Un petit lit cosy comme ça, des doudous, des petits trucs à manger et tout. Un tableau si je veux dessiner, là il y a des feutres et tout. Voilà, petits trucs, et là des photos. Donc voilà. Du coup, voilà, cette petite journée va se terminer. J'espère que ça vous aura plu, mais si je vous ai pas tout filmé, en tout cas... Pour revenir sur la séance d'aîné, elle était vraiment incroyable, genre vraiment c'était une séance trop bien, je suis trop contente.
Et du coup, là, je vais manger ma pizza, je vais regarder un film, je pense. Et ensuite, je vais faire du montage. Ça va me prendre très très longtemps le montage, vraiment, ça va être super long. Il faut que je découpe toute la vidéo de ma séance et tout pour garder que des petits morceaux. Ensuite, il va falloir que je coupe un peu plein de morceaux de la vidéo. Enfin, ça va être vraiment du bordel. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous? Enfin bon, donc voilà, un petit peu de montage ce soir. Et voilà. Bah du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ah bah non, à demain en fait. Ouais. Bon, à demain, bisous bisous.